je leur ai dit que tu serais du voyage. Alors moi, personnellement, je te connais pas, mais eux, oui. Et ils ont refusé de te prendre. C'est pour ça que je t'ai envoyé chercher ce sac bidon. Il n'y a pas d'argent. Ou si peu. Désolé, Crane. Il faut que j'évacue ma famille. Va sur le toit. Tu trouveras des trucs qui devraient pouvoir te servir. C'est pas ce que je t'avais promis. Merci de ton aide. Bonne chance. La vache! Crane, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a, Spike? Pour info, si t'as besoin de moi, je serai au débarcadère. Je vais aider Morgan à préparer la barge. Salut, Crane. Comment ça va? Je croyais qu'on s'était mis d'accord.
Je me disais que tu avais peut-être changé d'avis à présent. Mais si tu veux me tuer... Une autre fois. Il t'a laissé quelques trucs intéressants. J'allais les prendre, mais je me suis dit que tu les méritais. T'es presque un mec bien, finalement. Presque. Allez, à la prochaine. Bonne chance, Karim. Exactement.
Ah, tu viens enfin me voir. Ça fait des jours que j'attends. Tu es toujours aussi lent. Tu es peut-être immunisé contre mes appels. Bien. Les plus forts sont les plus durs. Mais ils valent vraiment la peine. C'est toi, la sorcière ? Quel ton méprisant. Bien entendu, tu ne crois pas à toutes ces histoires. Je suis ici parce qu'on m'a dit que tu avais un pouvoir. Tu veux connaître mon secret pour marcher parmi les immortuis sans qu'ils m'attaquent. C'est bien ça. Ah, c'est possible ? Pour toi, non. Tu es bien trop ignorant et arriéré pour maîtriser un tel savoir. Mais il y a une autre solution. Quelque chose que je peux faire pour toi. Je suis prêt à négocier. Tu n'es ici que parce que je le veux bien. Et je te donnerai ce pouvoir parce que je le veux. Tu en auras besoin pour me rendre service. Tu te rendras dans les grottes ce soir, pendant que les rapaces chassent, pour me rapporter autant de champignons noirs que tu pourras emporter. Il m'en faut pour préparer une potion. Voilà, c'est tout. Pour l'instant. Ça, on pourra tenir au moins quelques jours de plus. Je capte des transmissions de tous les quartiers. Crane, tu t'occupes de Rice, pas vrai? Tu es un des volontaires. Tout à fait. Je peux faire quelque chose pour toi? Je crois que je peux t'éclairer sur la situation. Ça pourrait te servir. Ou pas. Ok, je t'écoute. Ce n'est pas une info de première main, disons plutôt que c'est une rumeur. Mais ça concerne son frère, Hassan. Je sais pour Hassan. Il est mort, non? Et Rice accuse le GRE. Et il a raison.
Hassan était cloué sur un fauteuil roulant. Et c'était la seule personne dont Rice se souciait. Hassan calmait les ardeurs de son frère. Quand Rice voulait partir en guerre, Hassan le poussait à chercher la paix. Et quand l'épidémie est survenue, Rice a demandé au GRE d'évacuer Hassan en premier lieu. Et ils l'ont pas fait. Il y a eu un conflit politique interne. À cause du ministère, le GRE traînait des pieds, et Hassan est mort lors d'une attaque de zombies. Le GRE aurait pu le mettre à l'abri tout de suite. Ils ont choisi de ne pas le faire. Alors maintenant, Rice a perdu son sens moral. Il est libre d'imposer son caractère sadique et lunatique à toute la population d'Aran. Donc Rice a une dent contre le GRE. Et tu dis que c'est justifié? Je ne l'excuse pas. C'est un bandit vicieux. Un fléau pour cette ville. Je voulais juste t'aider à comprendre l'ennemi que tu vas affronter. Compris. Merci.
Yeah.
Bordel de merde, pas maintenant! Charlie, Charlie, la lettre C. Je l'ai.
Ouais. Voilà ton film et tes chocolats. Attends que maman voit ça. Gazi a encore gagné. Hourra pour Gazi. D'accord. Bon, je vais devoir passer par le toit. Bonjour, Gazi. Chut! Le film a commencé. Maman regarde. Est-ce que maman est contente? Maman est très contente. Gazi lui a donné des chocolats et un film. Dans ce cas, je vais te prendre quelques médicaments pour aider mon ami. D'accord. Maman ne fait plus de crise depuis que sa tête s'est transformée en citrouille. Ils sont sur la table. Merci, Gazi. Gazi rend tout le monde content.
tu veux. Il y a plein de choses à faire à la tour. J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau.
J'ai ton anti-épileptique. Ah, merci. Comment ça s'est passé avec Gazier? Il est peut-être un peu bizarre, mais il sait très bien obtenir ce qu'il veut. T'as rencontré sa mère? Ouais, elle avait l'air heureuse. Si maman est pas contente, personne est content. D'ailleurs, Brecken m'a demandé de te passer ça. Avec ses remerciements. Il paraît que quelqu'un aurait attiré. Les antennes.